Bonjour, bienvenue dans la suite de ce Let's Play sur Gears Tactics. On attaque la quatrième mission. Survivant. Donc le but ça va être le véhicule de communication a tracé un mystérieux appel de détresse aux abords d'Aldaïr. Rendez-vous-y. C'est très très laid. Et mener l'enquête. Et donc on doit avoir Gabe et Sid Redburn dans l'équipe. Et donc objectif facultatif, les Gears ne subissent aucun dégât durant votre tour. Ok. Donc faut qu'on fasse un tour sans dégâts. Ça veut dire qu'il risque d'avoir beaucoup d'ennemis. Donc on peut prendre 4 unités. On va garder Tyron. Et on va ajouter la petite Marcella. Allez, c'est parti. Peut-être pouvoir résoudre notre problème d'effectif. TACCOM vient de capter un appel de détresse dans le quartier industriel. Qui que ce soit, il faut les aider. Qui sait? Peut-être qu'ils nous aideront aussi. Allez. Ça va être compliqué pour eux, je pense, là. Ça, c'est notre camion, vermine. Bon, elle, je la veux dans l'équipe, clairement. Il est mort, Bobby. Ils sont bien trop nombreux. En plus, elle est intelligente. Retraite! Tout le monde dans le mammouth! Des civils, ils sont bons qu'à courir. Et voilà les Power Rangers, impeccable. Ok! Protégez-le! Je sais pas combien de temps alors... le bandage va tenir. On ferait mieux de s'activer. Faut qu'on leur donne une chance de se défendre. Vu comment ils ont détalé, je crois que tout ce qu'ils peuvent nous offrir, c'est une planque. C'est noté, Sid. Allez, en avant. Donc, faut que j'aille ici. Est-ce qu'il y a des caisses? Donc, il y a une caisse là. C'est tout. Ok, il y a une caisse sur le chemin. Enfin, sur le chemin, pas du tout, en fait. Ok. Bon, et ben c'est parti. Commençons à déplacer ceux qui doivent aller au contact. Donc on va passer là. On va passer ici. On va arriver là. Et puis on va rentrer dans la zone. Et puis ce sera une opération rondement menée. Hein. Je déploie. Donc il faut absolument que je prenne aucun dégât pendant mon tour. Sur toute la mission, donc ça va pas être, ça va pas être gagné. Contact, éliminez-les. Ok, donc ils sont 17 000, tout va bien. 2, 4, 5, 5 drones. Lui, on va le laisser là-haut. Les chances de concrétique sont bien plus élevées comme ça. Lui, on va le descendre. Il peut pas aller très loin, donc on va le mettre là. On n'a pas pris de dégâts pour notre tour. Félicitations. Donc, tir intrépide, c'est pour qu'on pense à l'utiliser. Hein. Tir avec un bonus de chance de coup critique de 30%. Vu que là, il est surélevé, en plus, il va avoir une sacrée chance de coup critique. Et tir détonnant. Si jamais on peut achever un adversaire, on l'utilisera. Je m'en occupe. On va tirer là où on risque pas de toucher quelqu'un. Ennemi en approche. Allez à vous, messieurs les locustes. Montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Ils peuvent pas avancer un peu plus, là, sérieusement?
Ok. C'est un sacré camion qu'ils ont là, ces civils. C'est une plateforme de minage, avec des baraquements, une enceinte renforcée, une armurerie. Alors on la prend, c'est ce que ça veut dire. Si c'était ce que je voulais dire, je l'aurais dit. Alors, où est-ce que je peux aller avec ma grenade là? Je peux tuer lui, je peux tuer lui. On va l'envoyer là, c'est quand même plus rentable, je pense. Allez. Ça va péter. En effet, ça a pété. Bon bah de toute façon là nous, la stratégie qu'on est censé avoir, elle est pas très compliquée. Ouais ouais. On va pas engager n'importe comment. J'y vais. Parce que j'aime pas engager n'importe comment. Je monte la garde. On va se mettre comme ça. Elle, on la met aussi en vigilance, comme ça là. S'il y en a un qui montre sa tête, il est mort. J'analyse la zone. Allez, montrez-vous, messieurs les locustes. Ouais, bah s'il veut, hein. Ah, c'était pas prévu, ça. Ils sont intelligents, les donc. Bon, lui, c'est pas le plus malin de la bande, hein. Mais si, si, Flavien, je m'engage pas n'importe comment. C'est une religion chez moi. Bon, ok. Marcella avait pas la meilleure couverture du monde, quoi. Ok. Là, ça vaut clairement le coup. Ça vaut clairement le coup. De l'envoyer, cette grenade. Alors, t'en-tu combien? 3, 4? 4 ou pas? Non, 3. 3 et descarne bien les autres. Ou alors, ouais, on va le mettre comme ça. Car à l'explosion. Voilà. M'étonnerait qu'il se relève. Bon petit déménagement. Bon, lui, j'ai bien compris qu'il atteindrait personne en haut, donc on va le faire descendre. Il peut aller jusqu'où? Pas loin. Est-ce qu'il peut descendre par l'autre côté? Non. 5 sur 5. Allez, on va lui laisser un point d'action pour pouvoir tirer s'il en a besoin. C'est parti. Toi, t'as combien là? 88. Allez, très bien. Hop. En plus, comme ça, il est au sol. Donc Marcella, tu vas aller l'achever. Comme ça tu redonnes des PA à tout le monde. On est plus très loin. Ah non, j'ai pris un dégât dans mon tour. Bon, allez, tant pis pour l'objectif. Tant pis pour l'objectif, c'est pas grave. J'ai qu'à réfléchir. Allez-y. Donc lui il a un PA, il peut rien en faire. Donc autant qu'il se cache. Ah, il en avait deux. Ça change pas grand chose, il pouvait rien faire non plus. Ah mais il se met pas à couvert derrière ce truc là. Ça c'est bien dommage par contre. On va mettre la vigilance ici. Je monte la garde. Et Marcella. Ah mais lui il reste 3 PA. Bon, il y a de quoi faire. Il n'y a pas de cible. Bon, on va le mettre en vigilance aussi. Hein. Pas s'embêter. Je monte la garde. Et donc Marcella en invisibilité. Pour pas qu'elle se fasse tuer par les méchants. Et on est pas mal. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire? C'est pas ton genre de chance. Voilà. Voilà, il a fait un rondement mené. Ok, très bien. Donc Marcella, elle va pouvoir se faire plaisir. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux faire. Alors lui, 93. Allez. Et d'un. On recharge. 93. Et lui, là, qui a plus de points de vie, 89. Allez, avec un peu de chance, on a les deux. Impeccable. Il lui reste un PA. Elle va achever lui. Comme ça, elle aura distribué les PA à tout le monde. Parfait, faut pas être grossière comme ça, Marcella. T'es à fond, là.
Bah, je pense qu'il est à fond, oui. Alors lui, on va pas s'embêter. J'y vais. On le contourne. Ah, il y a une caisse là, je l'avais pas vue. On recharge. Oh, j'aurais pu lui faire une charge de baïonnette en fait, ça aurait été plus efficace. Parce que là, il meurt pas. Ça m'arrange pas beaucoup. Ça m'arrange pas du tout même. Je peux aller le tronçonner directement. Non, il passe devant, il est bête. Alors, t'as 4 PA toi. Et t'as plus de balles. Bon, après, il a 100 points de vie, donc on devrait pouvoir le finir au pistolet. Hop, parfait. En attente. Ok, donc là, il reste lui. Je me déplace. Hop là. Là, normalement, c'est bon. Ah, lui, il fait pas de quartier, hein. Eh ouais, je vous avais dit que vous montriez ce que vous avez dans le ventre, bah, fallait pas le prendre au pied de la lettre, hein, les gars. Je sécurise le périmètre. Ok, on est pas mal. Donc lui, il va venir maintenant que tous ses potes sont morts. C'est pareil, hein, c'est pas le génie de la bande. On va leur montrer. Alors, toi, tu vas prendre la caisse. Premièrement. J'ai trouvé du matos. Deuxièmement. Tu vas recharger. Okay, tout va bien. Oui. Toi, tu vas aller achever lui. Je bouge. La voilà. Fête est finie, enfoiré. Parfait. Ensuite, tu vas venir te placer ici. Il te reste combien de 2 PA. Ouais, ça sert pas à grand chose du coup. Ok. Bon, de toute façon, on a déjà pris des dégâts dans notre tour. Donc, on va pas s'embêter. Elle, elle doit avoir un. 62, c'est bien. Parfait. Elle achève celui-là. On en parle plus. Allez. Je t'ai eu. Nickel. Bon rapport. Toi, tu peux aller te cacher du coup. En chemin. Derrière une caisse en bois, parce que c'est toujours une bonne idée les caisses en bois. Entendu. Sid, 3 PA. Tu vas te mettre là. Et il lui reste un point d'action ou 2 points d'action. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bien. On est bien. En vigilance. Je m'en occupe. J'attends les ordres. En vigilance. Toi, tu vas te mettre ici. En vigilance aussi. Alors lui, s'il meurt. Le périmètre. Ah, mais non, 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 non. On va lui tirer dessus, force vert. Ouais, il fuit. Voilà, belle tactique. On les reconnaît bien là, les locustes. Hein. Il fuit. Il fuit devant le danger, devant l'adversité. Quel dommage. Allez, on va la soigner déjà. Quelqu'un a demandé de l'aide ? Parfait. Ça marche. J'écoute. Il y a aussi une caisse ici, il y en a partout en fait. Trois caisses, très bien. Bon, c'est dommage pour la mission facultative, mais bon. On ramasse trois caisses. Ça va aller, hein. Est-ce que j'avance autant? Est-ce qu'il y a des gens là? Je pense pas, allez. On verra bien. Parfait. Affirmatif. Un couvert plein, nickel. Pourquoi je fais ça? Ça n'a aucun intérêt. Je sais combien, 59? Bon allez, pourquoi pas. Tenez-vous prêt. À nous. Alors... Il compte fuir jusqu'où comme ça? Donc. Ouais. Mais il se met super loin à chaque fois en plus. Bon. De toute façon, on s'en moque de lui, on va chercher la caisse qui est ici. Bon, on va quand même le tuer hein, parce que c'est pas tout ça, mais. Il va nous embêter sinon. Oui. Toi, t'es beaucoup trop loin, toi, avec ton arme absolument horrible.
Il m'embête en fait. Je peux aller mettre là-bas. Bien, on est sur place. Maintenant, ah mince, j'ai pris le... Je suis bête. Ouais. Bon, allez. Bien su. J'ai malheureusement pris le point qu'il fallait prendre, du coup j'ai déclenché la suite de la mission. Alors que je voulais aller tranquillement chercher ma caisse. La zone défensive. Bon, là, Marcel est complètement découvert, mais logiquement, dès qu'il sort une oreille, il est mort. Entendu. Tout, il te reste 3 points d'action, donc on va te faire avancer rapidement. Voilà, ça c'est fait. Champ de bataille déblayé. Donc je sais pas d'où vont arriver les nouveaux ennemis, donc on va prendre la caisse le plus vite possible. Mais ils reviendront se venger. Mettez-vous à couvert près de la plateforme et préparez-vous à manger du locuste. Ouais, je me suis bien mis à couvert avec Sina. Il est complètement à découvert. Alors, de toute façon, ils vont arriver, à mon avis, de par là. Donc on va se positionner. Elle, qui reste toujours au front, même si... Ah si, c'est bon, son camouflage, il est... On va mettre une vigilance là, on va mettre une vigilance là. Ah, peut-être là aussi, je sais pas, on va voir. Donc toi, tu vas te mettre ici pour un PA. En attente. Lui, il est ancré, c'est dommage, mais faut quand même qu'il se cache. Et s'il n'a plus de PA de toute façon. Alors, lui, il va mettre sa vigilance ici. Il lui reste 5 balles, c'est parfait. Je laisserai rien passer. Elle, il lui reste 4 cartouches de fusil. Donc on va la mettre ici. Bien reçu. Et donc notre cher Gabe Diaz. Ouais, non, il y a un trou et tout, là, ils vont pas apparaître d'ici. On va le mettre ici aussi. J'analyse la zone. Alors, voyons voir où est-ce qu'ils arrivent. Vous sentez ce grondement ? Les larves creusent des tunnels. Ah. En effet, je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent là. Allez. Qui nous aideront aussi. J'écoute. Donc lui, à chaque fois, il prend ce coup-là. Donc on va le mettre là. Compris. Parce qu'à chaque fois, ça le met dans le barra. Voilà. Ouvrez l'œil. Toi, on va te mettre ici. Éclaireur au rapport. Toi. On va te mettre ici. Je sécurise le périmètre. Et toi, on va te mettre ici. J'aurais dû faire l'inverse parce que lui n'a pas de grenade, mais bon, c'est pas grave. Les revues, là, à l'heure actuelle, c'est un peu le cadet de mes soucis. C'est plutôt les gros fusils à pompe qui commencent sincèrement à m'agacer. On est couvert ici. D'autres locustes arrivent! Protégez le camion! Allez, vous me les dessoudez. Plein d'ennemis. Eh ben voilà quand vous voulez. C'est pas compliqué. Ah oui, il tombe à cause du... Ok. Bon, bah là déjà, ça s'est quand même beaucoup mieux passé. Alors, Marcella, okay. Tu vas aller tuer lui. Je me mets en position. Pour que tout le monde gagne un PA. Voilà, un point d'action pour tout le monde. Et ensuite, tu vas prendre ta grenade magique. Et tu vas me tuer 4 de ces... saletés. Et 4 étaient quinte même bien la dernière. Parfait. Ça va péter. Voilà. Bye bye. Toi.
Toi tu m'agaces, donc t'as plutôt intérêt à l'avoir ce coup-ci. Parfait. Ensuite, pendant que j'y pense, et avant d'oublier, toi t'envoies ta grenade ici. Donc lui, il lui reste 3 PA. Et 3 balles. Donc ça vaut le coup d'en dépenser un pour le mettre là. Et d'anticiper la sortie de ces zigotos là qui sont insupportables. Amenez-vous, je vous attends. Lui il a 4 PA, ça vaut le coup d'en prendre un pour venir ici. Et également d'anticiper la sortie de ces zigotos insupportables. On te la garde. Prêt. Marcella elle a plus de PA. Elle va prendre cher encore. À moins que j'arrive à la couvrir. Il a combien de PA lui? 3. 3 c'est bien. Un pour venir là. Et deux pour couvrir ici. Ok. Ah mais ils sont encore nombreux là. Bon, on verra bien ce qui se passe. Allez. Faites-moi du bon boulot tous les deux, là je compte sur vous. Allez, tu m'en interromps au moins un. Non. Et non. Et tu vas prendre tellement cher. Ok. Le premier interrompu, le deuxième veut lui mettre une gifle. Virez-moi ce rebut, t'inquiète pas, on va le dégager. Qui c'est qui lui a tiré dessus? Mais d'où il a pris une balle? J'ai rien compris encore une fois. Qu'est-ce qu'il est grossier ce personnage? Ah, puis il a plus de balles en plus, quoi. Allez, on survivra à deux contre ces machins là. Ah, par contre, il a 3 points de vie. Ça, c'est plutôt cool. Non, on va pas faire exploser la cible. Pourquoi il a une tête de mort sur lui? Je comprends pas. Ah, parce qu'ils vont attaquer au corps à corps, peut-être. Faudrait que je recule. Bon, je résoudrai ce problème qui m'agace plus tard. Bien. Toi, est-ce que tu es capable de faire un truc bien dans ta vie ou pas? J'avance. Évidemment, t'as plus de balles. Ah, ça va mieux. En même temps, les mecs, ils partent à la guerre avec des chargeurs de 4 balles, quoi. Sérieusement. T'es vraiment nul. C'est pas possible d'être aussi nul, sérieusement. Ok. Voilà, regarde comment on fait le boulot, comme ça. Pas compliqué, quoi. Bye bye. 39, ça vaut pas le coup. En surveillance. On met une vigilance courte. De toute façon, lui va mourir. C'est écrit, en fait. Allez, les coups critiques, s'il te plaît. Tu me sors un coup critique, là, et on oublie tout. D'accord? Un coup critique, on oublie tout. On oublie tout. Même s'il est pas mort. Tu vas lui mettre une petite balle de flingue. Bah voilà. Toi, t'es obligé de recharger. Ah, j'aurais dû donner un PA à tout le monde en fait. Bien joué Marcella. Une larve en moins. T'es trop court. S'ils viennent tous par là, c'est très très bien. Aïe. Même pas mal. Ok. Toi, tu achèves celui-là. C'est terminé. Bah voilà. Toi, non. Non, parce que tu vas tirer sur ton pote, je te connais.
Non, pas intimidation. Sensu. On va leur donner une leçon. En attente. Ok. Toi, ouais. Tu regagnes des points de vie en tirant sur celui-ci. Avec ta vraie arme, s'il te plaît. Je recharge. Et en même temps, tu prends de l'ancrage. Allez, encore. Voilà. Bouffe ça et crève. 72. Force vert, il est quand même efficace. On va dire que c'est l'autre, le héros du jeu, quoi. Celui qui fait jamais rien. Les deux recrues random qu'on a trouvées, c'est les plus efficaces. Et ben voilà! Bah ça aurait été compliqué, hein. Il reste 20% de renfort à arriver. C'est le moment. Affirmatif. D'utiliser le seul truc que tu sais faire. C'est pas. Soigner les gens. Quelqu'un a demandé de l'aide? Parfait. Est-ce que si tu me balances une grenade là-bas et touches les deux? Ouais, touche personne parce que tu sais pas lancer une grenade. Allez. C'est reparti, soldat! Impeccable. Et là, tu vas te mettre en vigilance. Ici. J'analyse la zone. Toi, tu vas te mettre en vigilance. Ici. Oubliez pas de tourner la tête! Il en vient de l'autre côté! Ah bah bien, super la vigilance. Oui, c'est vrai. Ils soignent, c'est déjà pas mal. On va leur botter le cul. C'est déjà pas mal. Alors, on va leur botter le cul. Détends-toi, détends-toi. Pour l'instant, tu bottes le cul de personne. Pour l'instant, tu mets des pansements sur des jambes de bois. Bon, on n'a aucun intérêt à aller au contact, parce que c'est les bourrins, là. Unité lourde au rapport. Alors toi, tu te mets comme ça. J'analyse la zone. Toi, tu viens ici. Ah ouais, elle a pu rester là, je pense. Après, elle a le camouflage pour se cacher s'il faut. Il reste 450 points de vie. Ça vaut le coup, je pense. J'analyse la zone. Elle sera beaucoup plus efficace à courte portée. Toi, par contre, tu te sauves parce que t'es... Enfin, je sais pas encore à quoi il sert, mais... Je monte la garde. Je suis là. Ouais. Tu serais mieux ici. Ouais, il sert à rien, autant le faire avancer. Très, il va se prendre des coups de son copain, mais ouais. Allez. Donne de l'esquive à Marcella. 40% c'est bien quand même. Et avec le reste, je sais pas. Fais un truc intelligent. Mets-toi là. Pire move de la planète. Allez, boum. Non mais ils sont increvables quoi. Ils sont increvables quoi. C'est incroyable. J'ai mis toutes les balles dedans. Tiens, tire sur ton pote toi. On a retrouvé Régis. Parfait. Alors déjà, toi, fais une bonne action, soigne ta copine. Retourne te battre, soldat. Retourne te battre à ma place, soldat. Quel escroc, ce héros. Allez. Non, mais sérieux. J'ai pas une grenade, là. J'ai envie de les finir à la grenade. J'en ai plus, hein. Non, j'en ai plus. Tu peux peut-être le finir, celui-là. Non, on va laisser l'honneur à... On va laisser l'honneur à ce qui nous sert de héros. Donc les chances pour qu'il mette une balle à Marcella. La cote, elle est à 1-0-1, je pense. Marcella, tu lèves pas la tête, hein. C'est bien. Je tranche dans le vif du sujet. Munition chargée. Ah oui, si en plus t'as plus de balles, forcément. J'attends les ordres. T'attends les ordres, ouais. 18%, aucun intérêt de le prendre.
façon, il va être obligé d'approcher. Je perds de l'ancrage si j'avance, mais il y a les zigotos derrière, là, donc on va quand même le faire. T'es à combien, là? 19, toujours aucun intérêt. Ouvrez l'œil. De toute façon, je pense que toi, tu peux t'en occuper de lui, oui. Presque plus de balles. Parce que toi, tu es efficace. Besoin de munitions. Je retire ce que j'ai dit. Arme chargée. Quoi? Et merde. En même temps, je prends les tiroirs, il a 25%, c'est quoi l'intérêt? Ouais, j'avance. Ok. Ça, c'est bien. T'as pas le droit de faire le tour. C'est interdit par la Convention de Genève. Oh, tu vas te détendre, oui? Touche pas à Marcella. C'est interdit. Pas de temps à perdre. Ok, alors toi, il y a un truc que tu sais faire aussi, c'est ça. Voilà. Ça, c'est bien. Ensuite... Ça, tu devrais pouvoir savoir le faire aussi, logiquement. 83. Ça va aller? C'est dans tes cordes? Un coup critique, même. Ah ouais, je l'ai vexé. Je l'ai vexé. 59, t'es chaud ou t'es pas chaud? Il est chaud. Ouais. Toi, 10%. C'est pas dingue, hein. Mmh. 79, c'est mieux. Voilà, ça c'est quelqu'un d'efficace. Je suis désolé, hein, mais... quand même pas photo, quoi. Je décolle. Ouais, joli plan de caméra. Bouger. Il le voit pas là. C'est sérieux. Alors viens te mettre ici. Ah quoique. Rayon de 10 mètres, je le prends ou je le prends pas? Je le prends. Impeccable. Je suis d'une humeur massacrante. Hop. Il y a plus de vigilance. Marcella, il lui reste 4 points d'action. Elle va se faire plaisir. Compris. Allez, on en tue un avec le fusil à pompe. Va être le dernier. On en tue. Mais non, c'est pas le dernier, qu'est-ce que tu racontes? Il en reste deux. Mais ce héros, il m'insupporte. C'est pas possible, ça. Un avec le fusil, avec le pistolet. Ça t'a plu? Voilà. Bye bye. Et là, bye. 41? Non. On va se mettre ici. Voilà. Beau boulot. Ben la voilà, du premier coup. Pas de problème. Maintenant, assurons-nous que tout le monde est sain et sauf. Tu parles de gratitude. C'est bien évidemment faux. On n'a pas fini ici. Avec eux? Non. Et tu sais pourquoi? Non, tu viens avec nous. T'avais l'air plus forte que le mécan jaune, là. Donc tu viens avec nous, s'il te plaît. Regarde comme il est malin, t'as vu? Là, il respire le charisme. On dirait qu'on arrive au bon moment. Écoute, facho. Ah ouais, il est sympa, elle. Détruit tout ce qu'on avait. T'attends surtout pas à ce que je te remercie. Voilà ce que je vois. Du cran, mais pas de discipline. Si on n'avait pas entendu votre signal, vous étiez mort. On peut s'entraider. Suivez-nous. Ok. Voilà ce que je vois. Un petit groupe de fachos tellement paumés et peu nombreux qui doivent recruter des civils. Elle, je pense qu'en soirée, elle arrive au point Godwin assez rapidement, quand même. Craquez ce petit locuste. Ocon, qu'est-ce que vous savez de lui? Des choses. Genre où il se cache. Montrez-moi. Ah bah c'est des choses plutôt utiles, ouais. Faut voir, si vous payez le prix. Mais le démarreur est... Ouais, un petit peu, ouais. Alors à moins que vous ayez un mécanicien, on n'est pas prêt d'y aller. Je crois que j'en connais un. Et ben voilà, une mission rondement menée. Et on a fait l'objectif facultatif. Bon, on a pris des dégâts pour ça. Pendant notre tour.
Bon, on va pas dire non. Hein. Alors, on a gagné un kit de ranger ordinaire, 5% d'esquive et les compétences Blitz, je ne sais pas ce que c'est. Chaussures de ranger ordinaire, 5 portées de déplacement, ça c'est bien ça. Et 5 d'esquive. Et des caisses. Et un succès. Toujours ce doux bruit du succès. Voilà, ils rentrent fiers d'eux là. Donne-moi ça. Quelle bande de bras cassés. Non mais tu veux arrêter de me saouler toi? Donc Tyrone passe au niveau supérieur, 3. Et Marcella passe au niveau 2. Parce que Marcella elle est ultra efficace mais elle n'était que niveau 1. Jusqu'à là ça roule. Aïe! Ça devrait t'aider. T'es sur pied. Bon rapport. Ah mais il a un point d'action, il est sérieux? Il fait quoi avec un point d'action? En plus il a plus de balles quoi. Je peux même pas refermer le puits d'émergence. Bon bah si hein, on va quand même le fermer, tant pis. Éclaireur en attente. Oh c'est pas possible, il misclic quoi. Mais ouais, forcément. Et puis il va se faire achever. Non ! Non ! Allez, on va commencer la partie du dernier point de ravitaillement. Je sais pas où il est, donc on va voir. Ok, allez. Donc eux, normalement... D'autres locustes arrivent ! Protégez le camion ! Ça devrait aller. Je vois. Je vais avoir besoin de recharger ! Ils sont vraiment increvables. Oh, il m'a mis un coup de tatane. Oh, c'est pas très fair play, ça. C'est quand même plus sûr. Impeccable. Non mais faut arrêter là. Là au bout d'un moment il faut arrêter. Au bout d'un moment il faut arrêter d'envoyer des méchants. Faut pas que j'oublie avec Sid de fermer le... Je vais le faire maintenant sinon je vais oublier. Oh Sid, fais un effort, jette-la plus haut. Chance de critique plus 30%. On tire sur lui à 76%. Non, okay. Mais non. Puis il y a lui à tuer aussi. Bon, on n'est pas bien, encore une fois. Oui. Encore une fois, on n'est pas bien, tout va bien. Et, oh, il l'a pas arrêté, quoi. Bon, je pense que j'ai pas la tactique la plus fiable. Et du coup, il peut charger ça 3 fois. Donc ça veut dire que s'il tire 3 fois sans bouger, il a plus 30% de précision, et plus 45% de précision et plus 30% de dégâts. Allez, tu l'achèves. Non mais... Faut que je me concentre. Qui c'est qui est dans la barre? C'est moi. Non mais il est à 1 mètre de toi, sérieusement. Pas mal. Hey, ouvrez les yeux. Ah mais tire pas sur ta copine. Je suis à sec. C'est pas ton genre de chance. Ouais, alors Marcella, là, ça va être compliqué, là. Bien joué. Non, mais ne la tuez pas, par contre. Soyez sympa avec elle. Oh. Mais c'est fini, oui. Ranimez ta copine, s'il te plaît. Ça devrait t'aider. Ouais, on a soigné les poteaux, quoi. Super, on a soigné tout le monde. Vous avez reçu un jeton de reine civilisation. Très bien, ça me fait une belle jambe. Et donc on a Mikaela. Trop bien. Elle a l'air trop forte. Alors. Ouvrons nos box. On a casque avancé, le casque de Carmine, casque Onyx rétro. 10% de critique. De dégâts critiques. 3% d'esquive. Je prends. Ah, j'ai tout ouvert d'un coup, mince. On a raté la petite animation, c'est dommage.
Kit Delta 15 de santé, auto-rechargement. Ah bah voilà, ça va mettre ça, on va mettre ça à je sais pas qui. 13 de santé, passive, rayon d'explosion. Donc ça, ça va augmenter la rayon des grenades, je pense. Compétences passives, potentiel, donc on va voir ce que ça donne, on va voir qui c'est qu'on équipe et comment. Mais d'abord, on va voir... Elle est où? Ah mais c'est pas une troupe elle, c'est un héros. Mais oui, elle a pas un visage de random. Eux ils ont un visage tout moche, non lui il a une bonne tête quand même. Bon lui la prochaine mission il vient avec moi, ça c'est sûr. À la place de, du héros là. Alors toi... C'est un sniper. Et elle a deux points de compétence à distribuer, on va voir ce qu'elle a comme arbre. Tireur expert, chasseur, assassin, tracker. Bon, quelque chose me dit qu'on va aller par là. Hein. Inflige plus 3% de dégâts. Ok, bah faut que tu aies un paquet d'ennemis quand même, faut infliger 30% de dégâts. Bonus de prison de 50% et un bonus de dégâts de 50%. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais elle est bien, elle. Elle a 30% de gain de PA. C'est bien, ça, 25%, c'est une chance sur 4, ça me quand même pas mal. Bon, on verra plus tard, de toute façon, faut débloquer les premières compétences. Tir précis, vous tirez avec une bonus de précision de 30%, un bonus de dégâts de 30%, pour 2 PA, ça j'aime beaucoup. Tirez sur la cible, et si la cible est mise à terre, ou tuez, l'unité recharge. Et bon, on va prendre les deux, hein. On va pas s'embêter, quoique, c'est quoi ça? C'est bien ça aussi. Ils sont bien ces deux-là. Combien de balles dans son arme? Combien de balles dans ton arme? 3 balles. Donc ça veut dire que... Ouais, non, c'est, ça va prendre ça en fait. Faut qu'on prenne ces deux-là. Donc on va commencer par... par celle-là. C'est-à-dire que sur les 3 balles, la première ferait 15% de dégâts en plus et la dernière 25. Plutôt chouette. Il fait quoi comme dégâts son fusil? 250, donc c'est moins que le Claude Bourrin là. Ah ouais, il fait pas beaucoup plus mal que lui. Et lui pour le coup il fait vraiment pas mal quoi. Après portée 15 mètres. Un sniper qui a une portée de 15 mètres. Portée de 15 mètres. Je sais pas, un sniper normalement avec un fusil qui s'appelle Long Shot, moi je m'attends à ce qu'il tire à 300, 400, 500 mètres. Non, 15 mètres, ok. 15 mètres normalement, tu fais ça avec une mitrailleuse quoi, je sais pas. 15 mètres quoi. Et après, malus de précision, super. Est-ce qu'on lui ferait pas une couleur de sniper à Marcella? Et du coup, on peut pas changer leur tête au héros. Moi, même toi, elle a la classe, donc ça va. Elle a la classe, mais on va peut-être lui mettre un casque. Puis ils sont beaux, hein. Celui-là, il est beau. Hein. Tu sais quoi, on va pas te mettre de casque juste parce que c'est moche. Rayon d'explosion. Le rayon d'action des grenades de cette unité augmente de 20%. Donc ça, on va donner ça à... On va donner ça à Marcella. Et ça, cette unité gagne 10% de dégâts critiques. Qui c'est qui est bon en critique, là? Lui, il a une compétence qui fait qu'il est bon en critique. Coup critique 25, 20, 30, 25, 20, 20. Donc lui, 30, il a une compétence qui fait plus 30, il a 60. Et donc si on lui met le casque I2... Il passerait à 70. C'est pas très bon en maths, mais c'est à peu près ça. Donc on va lui mettre le casque I2. Par contre, on va lui cacher, hein, parce que, bon, faut pas déconner. Ah, quoique. On peut mettre le casque force vert, quoi. Parce qu'il est force vert. Mais ouais. Bah, je suis désolé, mais on verra plus tard, oui, mon grand. Ce qui était beaucoup, beaucoup plus classe comme ça, quoi. En chrome. Bah voilà. Voilà. Bah voilà, t'es beau comme un camion, pas de problème.
Le torse, donc on l'a débloqué, de l'esquive potentielle. Au début de votre tour, 40% de chance que le temps de recharge d'une des compétences au hasard de cette unité sera réduit de 2 tours. Ça m'a donné mal à la tête, ça, déjà. 2 tours, c'est bien. Quelles compétences sont intéressantes dans les personnages qu'on a? Bah lui, il en a 2 qui sont cool. Gabe, il a le soin. Sid, il a le sensu et l'intimidation. Ouais, non, c'est pour... Ah, Marcella, elle a le fantôme, quand même. Mais qui ne va pas tirer pendant un tour, quoi? Pas grand monde, hein. Blitz, ça a pas l'air terrible, quand même, quoi. Cette unité obtient 50% de chance de recharger une munition de l'arme principale au début de votre tour. Ça n'a pas de sens de recharger une munition. Sincèrement. Le mec, s'il prend l'initiative de recharger, pourquoi il met pas son foutu chargeur dans son arme? Potentiel, c'est pas mal, hein. Celui qui gagne de l'esquive. Il en a 0. Marcella, elle est déjà à 5, donc ça pourrait être pas mal de lui remettre de l'esquive. Et vu qu'elle est souvent au front, ça... Lui, il a 10 d'esquive, c'est vraiment le roi des lâches, quand même. Donc elle a le truc avec Blitz, là. Mais elle, ça lui arrivera jamais de jamais tirer pendant un round, en fait. En fait, ça arrivera jamais à personne, quoi, de pas tirer pendant un round. À moins que ce soit les rounds où il n'y a pas d'ennemis, quoi, mais dans ce cas-là... C'est pas dingue, quoi. Mais ça, c'est ce qui lui donne 5% d'esquive. Donc on va lui donner ça, qui lui donne 7% d'esquive, puis ça permettra de recharger son invisibilité plus rapidement. Allez. Le kit de Rangers, du coup, on va le donner à Tyrone, parce qu'il a une tête de Rangers, un peu. Ah ouais, et puis c'est joli, en plus. Mais c'est pas chromé. Bon, allez, on s'en fout. On lui donne ça. L'auto-rechargement... On va le donner, donc surtout pas au sniper. On va le donner à lui, qui est toujours à court de munitions parce qu'il rate la moitié de ses tirs. Voilà. Il a gagné des trucs, lui, rien du tout. Pourquoi il a le triangle? Ah si, les bottes. Elles font quoi, les bottes? Qu'est-ce qu'on a? Jean-Garde cadet, on s'en fout, ça sert à rien. Ça, ça augmente le déplacement et l'esquive. Bah, ça déjà, on réfléchit pas une seconde. C'est pour Marcella. Voilà. Les belles bottines. Ah bah oui, elles sont quand même plus jolies, elles sont plus légères et tout. Ah, elle est stylée. Mastoc, c'est quoi? Cette unité gagne 10% de réduction de dégâts. Et ben ça va être pour Tyrone. Voilà. Ah mais il les avait déjà, en fait. Il les avait déjà un peu moins bien. Si, on lui met jamais rien. Allez, mettons-lui des chaussures. Ah non, mais il en a des mieux, en fait. Bon, bah lui, alors. Ah non, mais elles sont bien, celles-là aussi. Bon, mais bah, ça sera pour Crit. Voilà, c'est ses chaussures de... qu'il a acheté à Woodstock. Ok. Les points de compétence, rapidement. Alors... Cette unité gagne 3 PA, mais ne peut pas tirer ce tour-ci, elle ne perd pas son ancrage en se déplaçant. C'est bien, ça. Ça veut dire que s'il est ancré, on utilise ça, donc il perd 1 PA, il en a plus que 2, et il en gagne 3, il en a 5. Et donc il a 5 PA pour se déplacer, il perd pas son ancrage. Ça, c'est très très bien. Alors... Peut-être qu'on va les lâcher tout de suite. Cette unité gagne 15% de chance de coup critique après avoir subi des dégâts au cours du tour ennemi. C'est bien. Ce qui a une grosse dose de critique déjà. Le nombre maximal de charges d'ancrage passe à 5. C'est bien. Tout ça, on s'en fout. Ça n'arrivera jamais. Critique ou nombre d'ancrage? 5, ça fait... 70% de précision, 50% de dégâts.
Ça commence à faire mal. Après, il faut qu'il tire 5 fois en étant sur place, quoi. Position défensive, c'est bien, mais sinon... Alors que le critique... Ouais, c'est uniquement quand il prend les dégâts, quoi. Allez. Ça, ça me parle. Lorsqu'un allié effectue une exécution, il gagne 2 PA par exécution alliée, donc du coup, il va arriver facilement à faire ses 5 tirs, quoi. Ah, les deux sont bien, là. Inflige 25% de dégâts ce tour-ci. Cet effet se cumule à chaque fois que cette unité tire. Donc 25% à chaque fois qu'il tire. Ouais, mais c'est une machine de guerre, ce truc, en fait. Regagne 1 PA. Donc c'est gratos. Ça, ça peut lui sauver la vie, quand même. Donc on va prendre ça. Et j'hésiterai moins à le faire bouger comme ça, donc il sera plus malléable. Donc elle gagne son premier niveau, quoi. Bichette, elle a tué 17 000 personnes, elle gagne son premier niveau. Elle tire 2 fois. Bah elle est pas belle la vie. C'est bien ça. Cours en ligne droite. Il y a une compétence pour courir en ligne droite. Non, mais... Les développeurs de ce jeu sont complètement débiles. Cours en ligne droite, le camouflage reste actif. D'accord. Cours en ligne droite, quoi. Description de la compétence. Ça, c'est trop bien. Après avoir tiré, cette unité gagne 5% de précision ce tour-ci. Vu qu'elle tire toujours au corps à corps, ça n'a pas de sens. Lorsque cette unité tire, alors qu'elle est dissimulée, elle inflige 25% de dégâts. Ouais, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais du coup, ça arrive pas beaucoup de fois dans la game. Ouais, c'est pas si mal, le cours en ligne droite et reste avec... Non, en fait, non. Allez, ça, c'est toujours bien à prendre, je pense, du soin. Ok. Donc, normalement, tout le monde a l'équipement qu'il lui faut. Il n'y a plus de petit triangle rouge, non, c'est bon. Alors, chaque unité ne peut effectuer qu'une seule mission secondaire par chapitre. Une fois que vous aurez terminé le nombre requis de missions secondaires, la campagne progressera et toutes les missions secondaires inachevées deviendront alors indisponibles. Donc ça, c'est la boucle de gameplay la plus éclatée au sol que j'ai vue de ma vie, quoi. Pourquoi ils appellent ça des missions secondaires si on est obligé de les faire? Ça ne me dérange pas, j'ai fait toutes généralement, mais... Alors, acte 1, chapitre 5, mission, la constance de l'orage. Contrôler les deux zones de contrôle pendant au moins 2 tours d'affilée. Je sais pas ce que ça veut dire, objectif. Des forces locustes empiètent sur une cargaison de ressources importantes. Prenez le contrôle du site et des ressources avant que les larves les réduisent en miettes. Très bien. Bon, ça a l'air pas mal comme programme. Mais ça sera pour la prochaine VOD du coup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous intéresse et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qui va et ce qui ne va pas dans ces vidéos que je puisse progresser. Merci à vous et à bientôt.